McDonald's des Herbiers, il s'est ouvert en 98. Donc il a passé ses 10 ans là. Voilà, il y a eu plusieurs remodels de restaurants depuis. Il y a eu un projet d'extension en 2008. Il y a eu toute une salle de fête en plus pour accueillir nos clients. Les clients, ça peut être des clients de passage. Ça peut être des commerciaux qui viennent manger le midi. Ça peut être des familles, ça peut être des enfants, des jeunes, des seniors. On en voit de plus en plus qui viennent et qui reviennent. Parce qu'on a aussi une clientèle fidèle. Bonne journée. Généralement, ça commence à midi et demi. Les gens finissant à midi de travailler pour certains, ils passent se restaurer. Et ça dure à peu près jusqu'à 1h15, 1h20. En moyenne, on va dire 800 personnes par jour. C'est vrai qu'on a quand même des périodes de, qu'on appelle de mailing, d'offres promotionnelles. On a des cartes de fidélité qu'on fournit aux clients. Et je dirais un service toujours plus satisfaisant, toujours plus performant, va faire que les clients vont revenir. Et c'est le cas aujourd'hui. Ça va, Renaud ? Ça va. Ouais. Est-ce que tu as le moyen coca de la troisième ? Non, mais on va s'aller. Je plonge autre chose ? Non, c'est bon. C'est bon ? Ok. Pour la clientèle, ça commence à 8h le matin jusqu'à 23h. Et les premières personnes à venir travailler, c'est 6h30. Les dernières partiront à minuit. C'est vrai que c'est un métier assez dynamique. Il faut aimer le travail d'équipe, mais il faut surtout être motivé. Nous n'allons pas demander d'avoir plusieurs diplômes, d'avoir bac plus ou autre. Il faut seulement être motivé et avoir envie de travailler. Tous les jours, c'est gérer le personnel en fait, du restaurant. Nous sommes une équipe d'environ 50 personnes actuellement au sein du restaurant, des équipiers, des managers, des membres de l'équipe de gestion. Il faut faire travailler tout ce petit monde pour servir les clients tous les jours, en respectant la qualité, le service et la propreté, qui sont des maîtres mots ici. En moyenne, on reçoit environ 10 tonnes de marchandises pour une semaine et demie à peu près, réparties sur deux livraisons dans la semaine. Je dirais l'incontournable Big Mac, le sandwich qui a été créé il y a des années, il est toujours parmi nous. C'est le plus gros sandwich de la gamme et celui qui se vend le plus aujourd'hui. Alors à côté de ça, bien évidemment, il y a les campagnes. Il faut bien sûr varier un petit peu la carte, faire plaisir à tous les goûts. Notre frite est réputée, il faut qu'elle le reste. Les fournisseurs ont un cahier des charges aussi très important. Et donc on fonctionne ensemble pour que ces frites justement soient de la meilleure qualité possible. Le Grand Rush, dimanche soir. Dimanche soir, c'est une journée où on peut servir jusqu'à 2000 clients. Nous passons environ 130 voitures à l'heure. Sur 2 heures de pointe, ça fait 130. La première heure et à peu près 80 la deuxième, donc c'est des grosses commandes.